fête soit en danse ce soir au Club France. On va les appeler avec un petit chant. Allez, les Bleus, tes supporters sont là. 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 Pour nos parathlètes français qui seront ce soir avec nous au Club France pour faire la fête. De poursuite individuelle, Dorian Foulon sera ici sur la scène du Club France. Il sera accompagné par Cassien Le Rousseau, médaillé d'argent de contre-la-montre sur route. Il mérite lui aussi vos applaudissements. Médaillé de bronze de la poursuite également en cyclisme sur piste. Ça, c'est le premier très gros rendez-vous, 21h55, Kevin Le Quinf. Kevin Le Quinf sera là aussi, médaillé d'argent, course en ligne aujourd'hui et champion paralympique de contre-la-montre. 22h10, une femme qui nous a beaucoup émus. Je suis certain que vous avez déjà vu ses performances. Marie Patouillet sera ici, c'est son deuxième passage sur la scène du Club France. Championne paralympique de poursuite et médaillé d'argent sur le 500 mètres. Contre la montre en cyclisme sur piste. Vous avez raté cet événement et ensuite ils sont là. Pour vous, le Club France ce soir. Il devrait prendre la tête, qui en termine, qui va aller sans doute signer. Oui, le meilleur temps provisoire. Gatien Le Rousseau, meilleur temps provisoire avec 1 minute 24 d'avance. Et la doublé français. Le doublé pour l'équipe de France. Gatien Le Rousseau. Cette équipe de France est magnifique. Dorian Foulon là est en train de s'élancer dans le contre-la-montre des C5, champion paralympique de la poursuite ici à Saint-Quentin en Yvelines. Champion paralympique aussi de la poursuite il y a 3 ans et Dorian Foulon qui s'élance pour essayer d'aller chercher une médaille. La médaille de bronze pour Dorian Foulon ici, ça fait une médaille de plus pour le clan tricolore. Contre la montre.
Dorian Foulon, bien Pierre Le Rousseau sur la scène du Club France ce soir pour vous, spécialement pour vous. Merci les garçons, merci et bravo. Vous pouvez leur accompagner sous vos applaudissements encore.
deux médailles seront mes dernières. Donc merci pour cette célébration. Et surtout un grand merci pour tout l'amour et le soutien que vous avez apporté au mouvement paralympique. On a vécu des jeux extraordinaires. Grâce à vous, on a fait des performances extraordinaires grâce à vous. Et faites-nous vivre encore longtemps après les Jeux de Paris, s'il vous plaît. Merci beaucoup.